Oui, Daniel, les bus 1351 à toi, comment vas-tu? Eh oui, voilà, justement, je l'ai venir. Non, t'inquiète pas, il n'y a toujours pas de divorce en vue, quoi. Ah, chi. Ok, donc comme quoi, eh ben voilà, là, je sais pas si t'as vu sur Facebook, là, sur le groupe Division 14 ODR, bon, il y a une discussion là qui est partie là-dessus. Et donc là, je refais à nouveau une nouvelle petite vidéo en comparaison. Donc l'autre antenne, la petite, signe quoi comme antenne? D'accord. Et donc, comme tu as pu le voir dans la vidéo, c'est franchement merdique, là, côté radio. Et c'est là où je comprends pas en quoi une antenne peut modifier à ce point la radio, quoi. Ah oui, c'est parfait, parce que dis donc, Ah oui, t'as vu, hein, c'est vraiment ce point-là, quoi, c'est l'horreur, quoi. Et alors que là, avec la ML180, ben, c'est du nickel. C'est une radio de 5, bon, pas très épais parce que je suis encore loin, mais c'est une bonne radio de 5 quand même. Ouais, justement, là, je suis en bas du pont, là, je viens de passer la première sortie, là. Ah oui, là je suis rentré, mais moi tu vois là je suis au niveau de la boulangerie là. Je ne peux pas tourner en route avant que la boulangerie là, je n'ai pas de bon Ok, voilà, je viens de passer les vitesses, ok, ouais, donc, et puis en plus là, je suis quand même pas mal caché, de ça, là, je suis un peu dans le creux, voilà, je suis en train de passer sur le lac, hein. Ok, voilà, je suis en plein, là, sur le lac, hein, et j'arrive à la hauteur des stations, je vais bientôt arriver à la hauteur des stations essence. Ah, tu me fais des 75, là, hein. Un bon signal de 7-8, là, et très bonne radio de 5h30, là, hein. Ouais, ça a l'air d'être Kifki Bourrico 56, 57, ouais, c'est tout autour de ça. Là. Voilà, oui, non, mais effectivement, ça change énormément, hein. Ça change énormément. Et comme le point, le phénomène est bizarre, hein. Comme le point, le phénomène est bizarre, parce que hier, quand j'ai mis la grande antenne, je fais refaire une forme de théorie, et bien j'étais un mec, dis donc. J'ai mis là, je m'en rends rien, là. Il y a un phénomène, et c'est moi qui... C'est ce que me disait Fred, hein. C'est ce que me disait Fred. Je ne dis rien parce que je vais rigoler, à toi. Et dans l'autre antenne, la petite, est-ce que tu as essayé de démonter la self pour voir dans quel état c'est à l'intérieur? Parce qu'il y a quand même anguille sur roche. Non, je ne l'ai pas démonté, elle est à côté de moi dans le mobile, donc ouais, il faudra que je prenne 5 minutes là, ce que je veux pas. Ouais, et puis faire dessus les contrôles de au Matrix. Là, parce que là, il y a quelque chose de bizarre quand même. Hein. Certains supposent qu'il y aurait de la corrosion à l'intérieur, là au niveau de la self, les soudures qui auraient peut-être lâché. Bon, il y a pas mal de suppositions d'avancées. Parce que là, moi, c'est vrai que j'ai jamais vu ça, moi. Ouais. À la mesure
oui, après une autre mort. La mesure, elle va me donner que si la continuer sur le bon donc tout ça, c'est tout. Après le reste, ça ne donnera pas le. Ça ne donnera pas plus que d'informations que ça. Hein. Avant de la passer, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, d'accord, mais bon, déjà, ça te permettra de voir le parfait état de l'antenne. Après, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'elle est bien en 50 ohms? C'est peut-être pas si con comme question. Est-ce qu'elle est bien en 50 ohms? Je t'ai un petit peu perdu là. Là je suis allé autour de quoi? De quelle sortie? J'ai pas fait gaffe. Attends là, tu vas me revenir là? Attends, je suis en train de redégager à nouveau. Là je t'ai un petit peu perdu là. Oui, je te disais, c'est une que j'ai été voir sur internet et que j'ai posé ces questions. Voilà, j'ai dit la question, j'ai nos 60 antennes. Et il disait bien qu'elle était donnée en 50 tonnes. D'accord, ok. Bon, c'était une question comme ça, quoi. Ouais, parce que là, même Luc, ça pique aux deux, il comprend pas non plus là ce qui se passe. Là. Là, tout le monde se pose la question sur qu'est-ce que c'est que ce truc. Hein. Non, mais cherche pas, c'est bon. Voilà, c'est pas grave, c'est bon. C'est quand même bizarre. Là, c'est. Tu pensais pas qu'il y avait un changement au niveau de la radio à ce point-là, hein, entre les deux antennes? Ah, ben non, moi non plus, parce que là, vraiment, c'est vrai que. Alors, une radio dégueulasse de ces deux-là. Voilà, là, c'est. C'est un peu plus de temps pour dire. Quand on le dit, voilà, tu peux laisser le doute, mais quand tu t'écoutes, le doute n'y est plus, hein, c'est la certitude. Hein. Ben oui, voilà, c'est pour ça que, puis comme là, tu verras la différence, là, ce soir, faut que je me dépêche, là, de la mettre aussi en ligne, là, cette petite vidéo, là, tu verras la différence, là, ok, c'est une radio de 5, maintenant, il y a les aléas de là où je passe sur la route, là, qui font que, j'ai du QRM par endroit, d'autres non, enfin bon, bref, voilà, mais autrement, là, on sent bien que la radio est complètement différente, là avec la ML180, quoi. Ah oui, mais... Ouais, ben voilà quoi. Voilà, c'est ça. Et donc en réception, toi, ça te faisait la même chose alors? Ok, je disais, en réception, ça te faisait la même chose alors?
C'était pas du confiance non plus, hein. C'était pas vraiment pas très clair. Ouais. Ah ouais. Comme quoi, ouais, c'est bizarre. Ouais, comme je sais pas moi, un problème d'antenne, un truc comme ça, ou une antenne plus petite, que ça te fasse baisser le signal, bon jusque là ça me paraît logique, mais que ça joue sur la radio à ce moment-là, alors là j'ai jamais vu. Hein. Attends, je suis dans les ronds-points. Ouais, ok, voilà, je suis dans les ronds-points. Ouais, je sais, ouais, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Ouais, ouais là, il. Bah, disons que ce qui chagrine plusieurs personnes, c'est le fait que tu partes le vendredi, quoi. Tu reviens là, tu me dis juste pour le vendredi? Attends. Ouais, je disais, ce qui chagrine pas mal enfin plusieurs personnes, c'est le fait que tu partes le vendredi. Voilà, c'est ça, et non pas directement le samedi matin comme l'année dernière. Ah oui, ben écoute, j'avais promis à Pascal que j'arriverai le vendredi pour donner un coup de main pour installer. Donc, quand je me suis dit que voilà, j'arriverai pas le vendredi. Excuse. Ouais, non, mais on va pas plus polémiquer là-dessus, ça vaut pas le coup, quoi. Oui, voilà, tout à fait. En plus, c'est une connerie, hein. Voilà, lui m'en veut plus que j'ai donné en lieu, parce que bon, moi, je lui ai dit, si il y a un essai, c'est lui qui me fait la gueule. Écoute, moi, je lui ai répété, hein, je lui ai simplement dit que j'arrivais, voilà. Bon, après, voilà, c'est son problème, hein, c'est... Il veut me faire la gueule, il me fait la gueule, mais moi, j'ai rien contre lui, hein. La seule chose, voilà, c'est ce que j'ai dit, et puis, bon, après, c'est comme ça. Voilà, ben là, toi, je suis sur la partie, là, ça y est, là. Ouais, je suis rentré, là, sur la partie, là, donc, tu vois. Et, ouais, ben là, je suis en face de toi, hein. Bon, je sais pas si Patrick écoute, mais là, s'il écoute, il va en prendre plein la gabelle. Eh ben, c'est du 57, voilà, moi aussi, je suis en train d'arriver sur le parking. Là, je viens de m'arrêter et j'ai eu le temps de voir là, un petit peu la vue de fer quand tu relâches le micro. C'est du 57 de mon côté. Là, tu me fais du 59, moi, de mon côté, là, en réception, là, 59. Putain, t'as un smet qui est généreux, toi. Non, entre 7 et 8, non. Entre 7 et 8, entre 7 et 9, je veux dire. Entre 7 et 9, c'est ce que tu veux faire, entre 7 et 9. Ok, là, par contre là tout à l'heure là sur la rocade,
pendant que j'étais en train de te parler, là, ou l'inverse, en fait, bon, peu importe. J'ai vu le flash se déclencher. Mais attends, là, je sens le tour de convenir. J'ai regardé mon compteur à ce moment-là, j'étais à 85 km/h, je vois le flash. Par contre, au même moment, il y en a un qui m'a doublé, qui lui était bien, bien au-dessus, quoi. Alors, j'espère qu'ils vont pas se tromper dans le choix dans le choix sur la photo, quoi. Alors le plus drôle, c'est que ça sera sur la vidéo en plus. C'est voilà, j'avais le bras, enfin bon, bref, j'avais la caméra qui était à droite, là, côté passager. Donc sur la vidéo, on va voir un joli flash. Ok, bon, ben j'espère bien qu'ils vont pas se tromper là, parce que ça risque de fumer là, je crois là. Ok, allez, je te laisse, les bosses sont 1351, là ils me regardent, là ils se demandent ce que je fous à attendre, et ben c'est pas grave. Les bosses sont 1351, oui, jeudi je suis en repos, vendredi aussi, donc pour le QSO de vendredi soir, pour moi il n'y a pas de problème, samedi je bosse en nuit, dimanche je bosse en nuit. Donc, là où je suis habituellement, voilà. Donc, je te laisse les 213-51, bonne journée, et on se tient au courant. Ok, allez, bonne journée à toi aussi. Et c'est pas grave, tous ces cons-là qui t'en regardent, si leur fait toi, c'est différent de papa. Allez, allez, réussis, bonne journée à toi. Ok, puis c'est parti pour la flotte. Allez, bye bye. Bah, c'est pareil, là, ça commence à bien stopper, là. Ouais, ok. Allez, bonne journée, bye. Ok, salut, vas-y. Encore? Putain, mais c'est un peu ça, tous les gars.